Saint-Malo, petit déjeuner, gourmandise, quelque chose qui craque dans la bouche. Fondant, craquant. C'est agréable le matin et c'est pas trop glycéméant. Le craquelin sucré, parce que sur une île déserte, il n'y a pas grand-chose à manger. Du sucre, c'est toujours bon pour la santé. Les craquelins plats, est-ce que j'ai trouvé plus croquant? J'emmènerai le plus possible de craquelins. Les petits corsaires sont délicieux aussi, et très agréables pour le goûter. Oui. Quand je suis partie en Corse, c'est que j'ai ramené les craquelins et qu'on les a fait découvrir aux Corses, ce qui est très sympathique. Le matin, moi je l'ai fait un petit peu réchauffer au-dessus de mon crêpe. Alors un craquelin, les gros, les tartines au petit déjeuner, peut-être au thé, pourquoi pas, avec du beurre, de la confiture, du miel. Elle est tout petit pour l'apéritif. Souvent, très souvent au petit déjeuner. Ou alors à 4 heures avec le thé.